Parlant d'horrible. Excusez-moi, mais la nouvelle collection Kiko est dégueulasse quand même, non? Si. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Vous me dites, Danisha, on te voit à 3 km avec ton rouge à lèvres. Je vais vous dire, oui, c'est mon jouet préféré. Je mettrai tout dans la barre d'infos. Et si vous voulez savoir tout ce qui se passe sur mon visage, premièrement, soit tu t'en fous du make-up, comment on l'a fait, tu veux savoir ce que j'ai mis, c'est dans la barre d'infos. Il y a un nouveau fond de teint. Soit tu veux voir le tutoriel de ce make-up, car c'est encore possible sur YouTube, c'est la vidéo d'hier. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on va parler du Hurl Anti-Hurl, c'est-à-dire tous les produits qui sont sortis cette semaine. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut pas? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui nous fait envie? Qu'est-ce qui est comme, pourquoi encore ça? Et il y a un côté, le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Moi, oui, j'ai acheté. J'ai acheté la collection Kaleidos. Pas toutes, mais j'ai réussi à avoir ce que je voulais. J'étais contente. Voilà, voilà. Et allons-y. Alors, avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à une nouvelle marraine, Marie-Charlotte. Cette vidéo, elle est pour toi. Alors, j'ai toujours Patreon. Si ça vous tente de nous rejoindre sur Patreon, des fois, j'essaye maintenant de faire des lives où on se voit tous en même temps sur Facebook, si ça vous dit. On a fait ça le mois dernier, c'était génial. Donc c'était un perk exclusif à Patreon. J'essaye d'en faire un petit peu plus, il y a des concours et tout ça. Voilà, j'espère que vous allez, si ça vous plaît, nous rejoindre. C'est pas obligatoire. Vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois sur Patreon, mais ça n'est pas obligatoire. Vous êtes là, vous me supportez, vous commentez, vous aidez avec Ketchup Fantasy, tout ça, c'est déjà plus que ce que j'aurais jamais espéré dans toute ma vie. Donc merci. Et merci à toi Marie-Charlotte. Et commençons la vidéo, car je vois que je pars avec une barre en moins dans ma batterie. Super. Allez, c'est parti. Ok. Je commence. Je commence fort. Je commence avec le plus populaire de cette semaine. C'est-à-dire, premièrement, je vais me tasser. La Zendo Palette. La Zendo Palette. Alors, elle me tente. Ok, elle me tente. Elle m'a fait penser à la Kaleidos qui a pris une camomille. Alors sur le coup, la photo que je vous présente là m'a énormément tentée. Après ça, j'ai vu les swatchs, j'ai fait comme, c'est pas la même chose. J'ai l'impression que le kaki ou le teal, il est gris et je ne sais pas trop à quoi ça ressemble en fait. Donc ça me tente, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Mais la color story est magnifique. Si c'est vraiment comme là, je le vois dans la photo qui est là, c'est pas exclu qu'à un moment donné je craque. Donc pour le Canada, ça sort le 10 et en France écrit mai-juin. C'est pas, je n'ai pas d'autres informations. Ensuite, Benefit, 25% d'entre vous étaient intéressés. Alors Benefit a décidé de nous ressortir ces boîtes. S'ils pouvaient changer le packaging de leur boîte, s'il vous plaît. Le Hula, ils ont dit on va prendre quelque chose qu'on aime, que tout le monde adore, et on va mettre un peu de glow à l'intérieur et on envoie ça. On n'a même pas changé le packaging, on a juste mis glow dessus. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. 25% d'entre vous étaient intéressés. Personnellement, c'est un bronzer que j'aime vraiment beaucoup, que je recommande si, en version matte, si jamais vous n'avez jamais tenté le bronzer et vous voulez un bronzer facile à appliquer, celui du Benefit est vraiment très bien. Oh mon ventre, je ne suis pas contre. Il a l'air très sympa, avec un peu de glow. Moi vous savez que j'adore les bronzers anyway, je suis déjà vendue. Ensuite, je pense que c'est la grande perdante de cette semaine, Violette Voss. Je suis désolée encore Violette. Elle a décidé de nous sortir une palette Cool Vibes. Et ben pour le coup, quand je l'ai vue, j'ai comme c'est intéressant. Tout le monde a fait comme nope, not today. Alors ça m'a fait penser à la nouvelle Melt, Mary Jane, un petit peu, non? Vous trouvez pas? Moi je ne suis pas très ton froid, hein, comme vous pouvez le remarquer. Je suis pas très je ne suis rien. C'est pas mon esthétique, mais je trouve pas que c'est moche. Je trouve que c'est beau à regarder. Je trouve que les couleurs vont bien ensemble. Me trompe-je?
En tout cas, si vous aimez les tons froids, grungy, dark et tout ça, je trouve que c'est une très bonne palette. En plus, la qualité voilà de base, c'est bonne. Mais écoutez, elle est sortie juste après avec la Mary Jane et du coup, sorry. Ensuite, Sigma a une nouvelle collection, une collection or. Alors, il y a une palette de highlighter. Je sais pas ce qui se passe avec les palettes de highlighter en ce moment. Stop. On avait arrêté ça en 2019. Non, 2016. C'est pas la peine de revenir. Hein. Non, merci. Dans une palette de highlighter, combien de highlighter tu peux mettre? Compte. Il y aura toujours des trucs que tu veux pas dans une palette de teint. Alors certes, quelqu'un m'a dit pour moi c'est plus facile parce que tout est déjà choisi pour moi. Oui, c'est comme quand tu vas dans un magasin, tu vois un outfit dans un mannequin, tu te dis je veux ça. Il y a des gens pour qui c'est plus pratique. Hein. Moi, je n'aime pas qu'on décide pour moi, c'est tout. Donc, il y a une palette neutre, or, les highlighters, gloss, pinceau. Je ne veux absolument rien de tout ça. 29% ont trouvé intéressé. J'ai pas eu d'excellente expérience avec les deux dernières palettes Sigma que j'ai achetées. Et les pinceaux Sigma font partie des pinceaux que j'aime le moins. Et la palette d'highlighter, j'en veux pas. Puis les gloss, bah, c'est des gloss. Donc je pense pas que ça vaille la peine de payer aussi cher pour des gloss. Mais bon, bref. No, thank you. Ça, je veux. Nouveauté Juvia's Place. Regardez-moi cette petite palette. Est-ce que c'est une palette de blush? Ou c'est une palette pour les yeux avec des couleurs blush? Je sais pas ce que c'est, mais peu importe où ça va, je le veux. C'est magnifique. Cette palette avec les blushs. Je pense que je vais faire une commande bientôt chez Juvia's Place. Il y a des blushs. Il y a la petite palette blush qui a l'air trop belle. Il y a les bronzers qui étaient sortis la semaine passée. Ils avaient l'air trop beaux. La palette pour les yeux, moins. Mais le reste avait l'air cool. Ça, je veux. Hein. Le truc blush, c'est quoi ça? De blush rose. Je pense que c'est des eyeshadow. Ça ne dit rien. Peu importe, give it to me, je veux, j'adore, c'est trop beau, j'adore la Color Story, c'est magnifique. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, 29% d'entre vous seulement étaient de mon avis. Anyways, ouf, alors, on parlait des fix palettes, highlighter palettes. Huda Beauty sort 3 highlighter palettes. Alors c'est bien parce qu'il y a trois teintes différentes. Ce qui m'emmerde un petit peu, c'est que c'est la même chose dans les trois. C'est-à-dire vous avez le pêche, le rose, enfin le champagne, le rose, le champagne rosé et le un petit peu plus bronzé. La même chose pour les trois. Il n'y a pas d'orangé. Enfin je veux dire, à quel point un blush rosé peut être joli sur une peau très foncée? Je pense que je serais allée avec un blush plus orangé, dans un ton un peu plus chaud pour un teint plus foncé. Mais écoute, je ne m'appelle pas Huda, je n'ai pas ma compagnie de blush. Donc voilà. Quand tu les regardes côte à côte, ça ressemble à exactement la même chose les trois palettes. Je sais pas si vous avez remarqué. Et en plus de ça, j'ai regardé le packaging, je suis comme, mais c'est sa face. Ça m'a fait penser, vous vous rappelez au packaging de. À un moment donné, Nikita Dragon, elle avait fait. C'était sa face en 3D, on aurait dit, les poupées gonflables. Ah, oh putain, il y a un truc qui me note. Ah, une étiquette. C'est pas un problème, c'est ça qui me pique. Moi, je suis. T'as une étiquette avec mon nom. Moi, je suis. La princesse petit pois, dès qu'il y a un truc qui me chicote. Bon bref, là j'étais comme, mais c'est son visage, elle a mis son visage 3 fois sur les... The Audacity. Remarque, écoute, quoique je mets pas ma face partout sur mes produits, mais... Oh et c'est sa marque, hein. Elle fait bien ce qu'elle veut. 25% d'entre vous étaient intéressés. Moi, non, je passe. Je trouve ça horrible. Parlant d'horrible. Excusez-moi, mais la nouvelle collection Kiko, elle est dégueulasse quand même, non? Si. 36% d'entre vous étaient intéressés, pardon. Mais le packaging, alors que d'habitude il tue les packagings, là on dirait du packaging de chez... Pire que Make Up Revolution. Même Make Up Revolution fait du meilleur packaging que ça. Ça a l'air très peu qualitatif. Ça a l'air moche. Et encore une fois, les teintes. 50 Shades of la même teinte. Pour le teint et tout ça. J'en ai marre un petit peu là. Kiko. Quoique... Je dis ça, mais si le packaging avait été beau, j'aurais fait comme... 36% d'entre vous, ok, super. Bah écoute,
Amuse-toi. N'est pas intéressé pour mon cas. Donc, je passe. Ensuite, ah, c'est suivi, oui. Colourpop a sorti 9 Super Shock Shadow. Ça y est, enfin, gloire de la couleur chez Colourpop. Ça m'intéresse. 48% d'entre vous t'y intéressez. Et c'est quand même énorme, ça. Ça m'intéresse. Il y a comme 1, 2, 3, 4, 5... 5 couleurs qui m'intéressent sur les 9, pas assez pour passer une commande, d'autant plus que je voulais passer une commande. Je me suis dit, tiens, ils sont sortis du Super Shop, c'est cool, je vais pouvoir le mettre dans mon panier là où j'ai mis mes 5 crayons à sourcils. Plus crayons à sourcils, je te dis, bah laisse tomber alors. J'attendrai la prochaine promo, le restock, le papa papa. Parce qu'on le sait que c'est Colourpop, ça va être soldé à un moment donné. La fête des mères, ça tombe bientôt. C'est quand? C'est pas le 9? Le 9 ou... Je pense que c'est le 9. Oh, je suis une très mauvaise fille. Alors là, ma mère n'aura pas grand chose de positif à dire. Et ma soeur m'a écrit, j'ai trouvé ton cadeau de fête des mères. J'ai comme, c'est quand? J'ai rien acheté à ma mère. Je suis une merde. Anyways, c'est pour ça que j'ai pas fait de carte de fête des mères. C'est parce que j'ai complètement zappé la fête des mères. Voilà. Donc du coup, j'en ferai pas pour la fête des pères parce que sinon c'est injuste. Mais du coup, j'en ferai l'année prochaine. Puis c'est tout. Je ferai des cartes, merci personne. Vous pouvez les envoyer à qui vous voulez. Ouais, Super Shock, sympa. Cool, mais pas acheté. Lisa Aldrich a des nouveaux produits. Alors, il y a le Involving Blush. Oh, il y a un blush, ok. Blush coup d'éclat. Et l'autre, c'est quoi, hein? Elevated Glow, éclat subtil. Mais ça serait cool qu'ils mettent sur la boîte, c'est quoi, genre? Ce serait bien genre blush, c'était bien, c'est écrit, mais l'autre écrit quoi, ça doit être encore un hybride de Hollywood Flawless Filter, je suis sûre. Je pense que c'est la grosse mode, ça et les skin tint. Je pense que tout le monde y met un petit peu du sien. Tout le monde y met un petit peu sa petite recette. 18% ont trouvé t'y intéressé. Ça m'étonne, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de personnes que ça qui aimaient Lisa Aldrich, enfin sa marque. J'ai jamais testé. Je trouve que je ne suis pas Lisa Aldrich aussi, hein, elle doit faire partie de la Garden Party. Je ne suis pas worthy de son make-up. Donc moi ça ne m'intéresse pas pour le moment, mais je ne suis pas fermée. Grande nouvelle, Ayo Coralie a enfin sa palette avec Beauty Bay. Mais mon dieu, comment j'étais trop contente. Je dois vous dire que Ayo Coralie, c'est une des premières personnes influenceuses qui m'a suivie sur Instagram. J'étais super étonnée, j'étais comme... Allô, merci. J'ai envoyé un petit message. Je trouve que c'est une personne qui reste super intègre malgré le temps et tout. Et malgré son jeune âge... Je trouve qu'elle a vraiment la tête sur les épaules et ça fait plaisir à voir. Son contenu change pas, ne fait pas tant de... Elle suit pas les tendances. Elle fait vraiment ce qu'elle a envie avec sa touche et ben ça marche. Et moi je l'aime vraiment beaucoup cette fille-là et je suis très 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 contente qu'elle ait une palette. J'ai envie de l'acheter. Mais juste parce que c'est elle. Si ça avait été quelqu'un d'autre, je pense pas que je l'aurais acheté. En fait, j'aime beaucoup la Color Story, mais les deux highlighters, je pense pas qu'ils vont me faire. En fait, selon la photo. Mais j'aime tellement Coralie que... Bah, j'imagine qu'au moment où je vous parle, ça va être sold out anyways. Mais... je sais pas, je suis très contente pour elle. J'étais très émue quand j'ai vu qu'elle avait sa collection avec Beauty Bay. Je pense que c'est quelqu'un qui le mérite vraiment. Et je suis trop trop contente. Vraiment, bravo Coralie, si tu passes par là. Je suis très fière de toi. Ensuite, Danessa Marix a des nouveaux trucs pour les yeux. Danessa, tu fais tes recherches avec les noms? Non, ça m'emmerde. Bon, d'accord. 47% entre vous. 44% d'entre vous étaient intéressés par ces liquid shadow. Encore une fois, c'est des liquid shadow. Comment vous dire, ça me saoule. J'essaye d'en avoir le moins possible des liquid shadow parce que je sais qu'avec moi, ça va pas. Ils vont mourir assez sûrement sous peu. Bon, je voudrais aussi vous dire que les couleurs présentées sont pas les meilleures. Moi, j'aimerais essayer les trucs là. Eternal Flame. Les trucs multichrome de la marque, c'est tout.
Le reste, rien ne m'intéresse chez DS. Alors oui, ça a l'air d'être de la super qualité, nanana et tout, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment. Mais voilà. Et en plus, maintenant, Vanessa Myricks, en partie, est vendue chez Sephora Canada. Grand appréciation. Donc 44% d'entre vous est intéressé. J'ai beaucoup de surprises, moi, avec ces statistiques. Je m'attendais pas, mais c'est cool. Ensuite, BH Cosmetics a sorti sa palette émeraude, la palette la pierre du mois. Je trouve qu'elle est vraiment bien fichue. Je la trouve très jolie, très bien faite. Mais moi, vous savez, les mini palettes, je sais pas. Alors, la fille, elle vient de dire, je veux la Juvia's Place. Let's go. Il y a une teinte en plus, j'en veux pas, j'aime pas les mini palettes. Mais elle est très belle, hein, mais j'ai pas tellement envie de l'acheter, celle-ci. Mais si je l'avais à choisir avec toutes les palettes qu'ils ont sorties, celle-ci et la rouge auraient été mes deux préférées, mais je sais que ça va être un achat impulsif, mais qu'avec le temps je vais moins apprécier la chose. Donc ça sert à rien que je l'achète maintenant. Sachant qu'après la première utilisation, je fais comme... Des fois il faut se raisonner, ok? C'est dur, mais il faut. Et Kat Von D a sorti ou va sortir des blushs liquides, un peu des blushs sérums. 28% d'entre vous étaient intéressés. Moi je suis intéressée. Il y en a un orange et un corail, les deux. Et un petit peu. C'est quoi ces autres? C'est couleur. C'est rouge. Luminary et Duality. 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 Ah, il y a un jeu de mots. Sacré Kat Von D. Oh non, c'est plus elle. Sacré Charlemagne. ouais, ça a l'air sympa, ça. Moi, vous savez, j'aime beaucoup les produits crème. J'en ai mis un aujourd'hui. Pas en termes de highlighter. Excusez-moi, mais les produits crème, c'est la vie. C'est trop beau. C'est tout? C'est fini? Ah bah écoute, dites-moi ce que vous avez acheté. Qu'est-ce que vous allez acheter? Vous allez acheter la Zendo. Je le sens. Je vais devoir la dessiner, c'est ça? Tiens. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous. Merci encore à toi, Marie-Charlotte, de sponsoriser la chaîne. Et je vous retrouve demain pour le vlog. Le vlog, le vlog. Un jour, j'aurai une danse officielle du vlog. Mais j'essaye. Je ne trouve pas encore ma voix. Si, je l'ai trouvée.